Quelle défense, quelle défense d'Axelsen. Qui se trouve. Oh, c'est des. Oh. Je vous disais, s'il continue à être mené dans le deuxième set. Service. Pour privilégier la précision. C'est bien, bien glissé ça aussi. Dans le dos. Bravo! Voilà, il recommence à pas mettre de vitesse. Et là, il se fait. Deuxième contre Victor Axelsen, le numéro 1 mondial, champion olympique, champion du monde. Voilà, bien ça. Allez, défends. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. Il l'a vu. Il a hésité. Oh là 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 là. Bien joué, Victor. Attention. Oh. Et oh là là, il a explosé sa raquette. Oh, qui encourage nos Français. Oh là là, allez, bien enchaîné. C'est juste. Bien contré. Oh, attention. Non, pas trop mettre de vitesse. Ah, la même. Ah, il a. Aïe, aïe, aïe. Des rushs. Il y avait quoi, 17-10, 17-11, je ne sais plus. 17-11, me semble-t-il. Ah. Et oui, ça reste.
était bonne. Ah, le filet, malheureusement. C'est dehors. C'était beau. Surtout qu'après, dans le match suivant, Kishu Efei affronte Line Christoffersen. Ouh, il était beau sur ce match, mais c'est doux. Où est-ce qu'il reprend ça, Christo, là? Ah, ça devient dur. Oh, il est cuit. Il est cuit. On se confirme. Hein. C'est vrai que quand vous faites comme ça, rejoindre sur le fil, après avoir mené tout le match, c'est compliqué. Plein de cas dans tous ces sports, dans tous les sports. Bien joué. C'est dehors. Ah oui. Réussite avec le français.
Déposé. Ah, gros énorme point encore. Il est toujours dessus. Oh là, il fait mal celui-là encore. Oh là 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 là. Il est au bord des crampes là, Christo. Oh là là. Ah, dommage. Ah, c'est encore dehors. C'est mieux. Ouais, dommage. Bon. Ouais, il contrôle complètement le filet. Là. Il avance. Allez, il faut finir. Belle défense d'Axel Sen. Que c'est dur, que c'est dur. Encore un point extraterrestre. Et un dernier. Aïe.